Salut à tous, c'est Dark Phénomène. Aujourd'hui, on se retrouve pour savoir comment obtenir gratuitement et facilement Heart of Iron 4. Donc, pour ce faire, c'est très simple, je vous mettrai le lien dans la description. Et une fois sur ce site, vous cliquerez ici. Une fois que vous cliquez dessus. Donc, moi j'utilise Views, mais vous pouvez utiliser d'autres logiciels comme BitTorrent, TuTorrent ou autre. Et une fois que c'est fait, le téléchargement va se lancer. Une fois fini dans l'avancement, vous aurez Source. Et ensuite, vous double-cliquez dessus ou pour Views, vous faites clic droit contente, montrer dans l'explorateur. Une fois que c'est fait, donc vous avez ceci qui apparaît. Donc on va ouvrir l'archive rare. Ok, une fois que c'est fait, on clique sur Setup. On l'exécute. On accepte. Donc là, ça nous lance une musique, donc je la coupe. Donc ici, on peut choisir là où on veut qu'il s'installe. Donc en l'occurrence, on va bien le mettre ici. Et également ici. Enfin bref, une fois que vous avez tout sélectionné, vous faites install. Donc on se retrouve une fois que c'est fini. À tout de suite. Ok, donc ça vient de se finir. Une fois que c'est fini, on clique tout simplement sur finish. Donc une fois que c'est fait, on va là où on a installé notre jeu. Donc en l'occurrence, moi c'est dans Program Files, Heart of Iron 4. Et une fois que c'est fait, on va dans le dossier Codex et on fait tout simplement un drag and drop. On fait oui pour remplacer le fichier dans la destination. Faire ceci pour tous les éléments actuels et on continue. Ok, donc à présent vous avez craqué votre jeu. Et vous avez plus qu'à le lancer donc par cette application, par ce point exe. Donc là, on accepte. On clique sur jouer. D'ailleurs, si vous rencontrez des problèmes au lancement, eh bien, essayez de le mettre dans les exceptions de votre antivirus. Ah, je vous retrouve dès que ça a fini de charger. A tout de suite. Ok, donc on se retrouve dans le jeu. Je vais vite fait baisser un petit peu le son. Ok, donc on va aller en un joueur. D'ailleurs, je ne saurais pas vous dire si le multijoueur fonctionne, même avec Hamachi ou autre. Après tout, on peut toujours tester. Hein. Donc, on va sectionner ce scénario-là avec l'Italie et on lance. Donc, là, normalement, il y a un petit chargement, mais voilà, il ne dure pas très longtemps. Donc, comme vous pouvez voir, on est en jeu et le jeu fonctionne. Donc moi je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine.